Ce volume sur le loup, c'est le premier d'une série que j'espère longue et qui sera consacrée à ce que j'appelle le bestiaire central des sociétés européennes, c'est-à-dire aux animaux qui comptent un peu plus que les autres dans l'imaginaire et dans la symbolique. Et bien sûr, le loup en fait partie, et puis depuis des temps très très anciens. Alors, sa symbolique est extrêmement riche. Il est pris plus souvent en mauvaise part qu'en bonne part, mais comme tous les animaux, il a quand même une symbolique double. C'est l'animal qui voit la nuit, ça c'est quelque chose qui est souligné très anciennement, et pour le christianisme médiéval, c'est un grand péché de voir la nuit, donc les animaux nocturnes comme le loup, le chat, le renard, la chouette sont des grands réprouvés. C'est un animal aussi qui est réputé vorace, qui a tout le temps faim, qui cherche à manger en s'approchant parfois des maisons. Donc selon les époques, le danger du loup est plus ou moins grand. Quand les loups ont faim, naturellement, ils s'approchent des villages. Il y a des périodes plus favorables que d'autres où les loups ne souffrent pas trop de la faim. Donc la peur du loup n'appartient pas à toutes les époques. Il y a des mouvements de va-et-vient. Au Moyen-Âge, par exemple, on peut distinguer un premier Moyen-Âge, le haut Moyen-Âge, où on a plutôt peur du loup, un Moyen-Âge central où on a moins peur du loup, et puis à la fin du Moyen-Âge, avec la crise climatique, les hommes et les bêtes ont faim, et les loups entrent en ville, entrent dans Paris même, et la peur du loup recommence, et elle dure jusqu'au 19e siècle quasiment. Donc un nocturne, un vorace, un animal qui passe inversement pour très courageux, qui se défend vaillamment, et qui a le sens, pourrait-on dire, de la famille, vu par l'être humain. Une famille loup peut être exemplaire, en quelque sorte. La mère louve, elle a aussi des qualités et des défauts. C'est une très bonne mère qui surveille et élève ses enfants. Mais c'est aussi une femelle qui passe pour plus ou moins lubrique, d'où le nom latin lupa, qui sert à désigner à la fois la louve et la prostituée, et qui a donné notre mot français lupanar, maison de prostitution. Comme toujours pour l'histoire culturelle, et spécialement celle des animaux, je m'appuie sur des textes, des images, des faits de langue et de lexique, des traditions orales, un peu tout en essayant de croiser chaque document, sans trahir aucun, et en faisant une petite synthèse. Alors, selon les époques, les textes, les images, l'archéologie, le lexique joue un rôle plus ou moins grand, mais selon ma méthode brodée maintenant, donc j'essaye d'interroger toutes les catégories de documents.